Le prince William a fait éclater sa colère ineffet, il a appris la mort tragique d'un garde forestier sud-africain qu'il connaissait sur Twitter, le duc de Cambridge a partagé sa peine. Le prince William a fait éclater sa colère et a partagé sa tristesse. En effet, l'époux de Kate Middleton a appris le 26 juillet dernier qu'en Tomzimba, un garde forestier de la réserve de chasse de Timbavati, en Afrique du Sud a été retrouvé mort. Tué par balle devant son domicile, CIST le groupe de conservation El Pilino qui a annoncé la triste nouvelle, le chef des gardes forestiers à Timbavati, en Tomzimba, a été tué par balle devant son domicile la nuit dernière, ont-ils écrit, saluant ainsi la mémoire de ce guerrier de la faune, qui luttait depuis de nombreuses années contre le braconnage, très fréquent dans cette zone. Ainsi, devant une telle nouvelle, le prince William s'est dit profondément attristé. Il souhaite une justice rapide pour connaître exactement le déroulé des faits et surtout mettre la main sur l'individu qui lui a ôté la vie. Sur Twitter, le mari de Kate Middleton a écrit « Je suis profondément attristé d'apprendre le meurtre d'Anton Zimba à qui j'ai parlé en novembre. Les responsables doivent être rapidement poursuivis en justice. Mes pensées vont à sa famille. Écologiste et soucieux de la protection de l'environnement, le prince William a collaboré à plusieurs reprises avec WildAid, afin de trouver des fonds pour la conservation des rhinocéros, requins ou encore éléphants. Le prince William, engagé dans la protection de l'environnement. Le prince William a aussi lancé le prix Earth Shot pour inciter au changement et aider à réparer notre planète. Cette initiative a permis de lever 50 millions de livres sterling dans le but de financer et de promouvoir des moyens innovants pour la préservation de la planète. Le duc de Cambridge est également le patron de l'organisation caritative TUSC, axée sur l'Afrique, avec laquelle il tente de trouver de nombreux fonds. Ainsi, le décès de ce garde forestier est vécu comme une véritable tragédie pour le père de famille, qui compte laisser une terre plus propre à ses trois enfants.